Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Psaume au chapitre 100. Psaume chapitre 100, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Loué soit l'Éternel, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. L'Éternel est mon berger, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. L'Éternel est ma force, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons te dire merci. Merci encore pour ce privilège et la grâce que nous avons de pouvoir nous retrouver encore ce soir dans ces lieux que tu nous as accordé la grâce de pouvoir avoir pain, pour avoir communion avec toi et aussi avec ton peuple, Père. Merci encore pour le souffle de vie, Seigneur. Oh Dieu, c'est vrai, comme Ézéchias l'avait dit en ce temps-là, que les vivants, ce sont ceux-là qui te louent comme nous aujourd'hui aussi, bien-aimés, Père Saint-Dieu, pour ce que tu as fait pour nous, ce que tu n'as pas encore faire, Saint, Seigneur notre Dieu. Merci encore pour ce peuple qui est rassemblé en cet endroit, ceux qui sont aussi en connexion à différents endroits aussi, mon bien-aimé, Père Saint. Nous te remercions parce que ton bras est tellement aussi puissant, Seigneur. Tu agis encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père Tibissant, comme hier en Israël, mon bien-aimé Père Dieu. Lorsque tu étais là, tu conduisais encore davantage, mon roi. Nous sommes un peuple privilégié, Seigneur. Nous sommes heureux, bien-aimé Père Saint-Dieu, de marcher avec le puissant Sauveur, le vainqueur de Golgotha, mon bien-aimé Père Dieu. Oh, Maître béni, nous avons vraiment soif de toi. Nous voulons marcher encore davantage avec toi, bien-aimé Père Tibissant, parce que regarde combien les jours sont maintenant tellement si sombres, mon roi. Mais tu es là pour nous éclairer encore davantage, mon Père. Merci encore pour les cantiques qui ont été chantés, Père Saint. Merci encore pour la joie d'être encore dans ta maison, bénémoine Père Tibissant. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci aussi pour les enfants qui ont chanté, bénémoine Père Saint-Dieu. Que tu les bénisses richement, mon bénémoine Père Tibissant, pour les efforts qu'il fournit en cet endroit. Sois exalté encore aujourd'hui, bénémoine Père Tibissant, Dieu, pour le soutien que tu nous apportes, mon bénémoine Père Dieu, pour l'assistance que tu nous apportes, Père Dieu, tant matériel que physique, bénémoine Père Dieu, parce que tu es le Dieu qui va encore pour nos besoins, Seigneur. Merci, ô Éternel, notre Dieu. Nous avons toujours besoin de toi au jour le jour, mon Sauveur. Nous voulons toujours avancer avec toi, mon bénémoine Seigneur, parce que toi tu es le Dieu qui marche en conduit, bénémoine Père Tibissant, mon Seigneur, bénémoine Père Saint-Dieu. Nous voulons avancer avec toi, mon Sauveur. Sois béni et glorifié. Merci pour le pardon de nos péchés, nos manquements, nos iniquités, bénémoine, nos faiblesses, mon bénémoine Père Tibissant. Nous sommes consolés parce que tu es vraiment présent et tu prends encore nos iniquités, mon bénémoine Seigneur. Merci, oh, parce que tu vis. Sois béni et glorifié, mon roi, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Il est un nom, ce nom est merveilleux. C'est lui que nous aimons entendre de nos oreilles. C'est lui que nous aimons aussi chanter.
Et c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui console nos cœurs. Que le Seigneur bénisse chacun de vous et qu'il vous fortifie. Vous savez, c'est un peu fort, j'ai l'impression que j'y suis. Si on peut diminuer un tout petit peu, merci beaucoup. Qu'il vous fortifie et qu'il vous soutienne. Et nous réagissons toujours lorsque nous avons ce temps de communion ensemble autour de la parole de Dieu. Et nous réjouissons aussi, que Dieu te bénisse, ma bien-aimée sœur. Nous réjouissons aussi de ce que nous pouvons être de ceux qu'on appelle aussi, que s'il y avait une génération qui pouvait venir effectivement, des témoins effectivement de ce que la fidélité de Dieu se manifeste aussi dans notre temps, en voyant réellement aussi que c'est Dieu qui, après tant de temps, tant d'années, effectivement aussi des périodes qui se sont passées, et c'est Dieu n'a jamais manqué, il n'a jamais failli, effectivement, et qu'il est toujours, effectivement, comme au temps où il marchait, effectivement, avec Adam aussi dans le jardin d'Éden. Il n'a pas changé, les années changent pour les hommes, avec les temps qui passent, effectivement, aussi, mais notre Dieu témoigne qu'il est vraiment toujours le même. Il nous démontre aussi effectivement par sa fidélité à pouvoir veiller à ce qu'il a eu à pouvoir déclarer et aussi l'accomplir aussi certainement. Cela qui fait encore davantage effectivement aussi notre reconnaissance à l'endroit de Dieu et notre force aussi malgré tout ce qu'on peut avoir sur notre chemin comme situation aussi pénible et difficile. Nous lui sommes reconnaissants parce que il a dit que les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est pour ça qu'il les a prononcées aussi, pour que nous soyons encouragés sur le chemin où nous sommes, en nous souvenant qu'effectivement, qu'il avait dit. Et comme l'Écriture l'a dit, il a dit lui-même aussi que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, certainement que je suis au milieu d'eux. Nous réalisons qu'effectivement, que notre Sauveur et notre Seigneur, il est vraiment au milieu de nous, lorsque nous prenons aussi conscience qu'il est présent, parce qu'il ne peut pas vraiment manquer à sa promesse. Nous réalisons aussi que ce qu'il a déclaré, même dans les temps passés, et qui a eu à pouvoir également aussi prendre son cours, doit être aussi quelque chose qui nous interpelle, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, et à nous qui sommes donc arrivés, effectivement, dans ce temps, dans cette génération dans laquelle nous sommes. Nous devons être beaucoup plus reconnaissants au Seigneur notre Dieu par rapport à ceux qui étaient dans les générations, donc, passé donc lointaine, comme des âmes comme Abraham, effectivement, c'est que et ces gens-là, ils ont eu à pouvoir avoir confiance en ces dieux depuis les temps-là, parce que on nous dit qu'en tout cas, ils avaient foi dans le Seigneur, ils cherchaient une cité dont Dieu était donc l'architecte. C'est pour ça que ils n'ont pas voulu prendre plaisir aux choses du monde. Ils se sont privés, effectivement, parce que Abraham était comme un prisonnier de Dieu. Il a voulu être comme ça. Il pouvait mener sa vie comme il le voulait. Mais depuis que le Seigneur l'avait appelé, tout semblait sombre d'une certaine manière, mais il s'est accroché. Quand nous regardons, nous avons lu Abraham, ces gens-là qui ont eu simplement à pouvoir entendre parler d'une certaine manière ou d'une autre, dans un certain sens, effectivement. Mais la Bible dit qu'ils étaient vraiment accrochés à cela. Ils cherchaient une cité dont Dieu était donc l'architecte. Mais nous sommes, God bless you, nous sommes heureux parce que lorsque la promesse de Dieu s'est accomplie, effectivement, comme Dieu avait fait la promesse à Abraham que tu seras, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, vous vous souvenez de cela, parce que la Bible dit que toutes les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, pas à ses postérités, comme c'était de plusieurs, mais à sa postérité, c'est-à-dire une seule, c'est-à-dire à Christ. Quand la postérité d'Abraham est arrivée, il nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Donc ce qui avait été dit à Abraham, effectivement, dans les temps anciens, ça devient encore beaucoup plus clair, parce que Dieu n'a pas oublié, mais je m'en vais vous préparer une place. Et là, aussi, le Seigneur, notre Dieu, il prit donc Jean, celui de Patmos, il amena les hauteurs pour lui montrer cette cité, effectivement, la nouvelle Jérusalem. Vous voyez que ces gens-là ont eu à pouvoir croire, effectivement, des choses qu'ils n'ont pas eu à pouvoir voir. Mais simplement parce qu'ils avaient confiance en ce que le Seigneur, notre Dieu, était pour eux.
Mais vous et moi, vous direz que frère, mais vous et moi, mais on l'a décrit. Abraham, on ne lui avait pas décrit la ville là. Mais toi et moi, nous pouvons la lire. Cette ville dont nous attendons tous. Elle est décrite effectivement comment elle est. Ça, Abraham ne le connaissait pas. Mais toi et moi, nous connaissons cela. Ça veut dire que si Dieu était un Dieu qui oubliait les choses, et qu'il ne pouvait pas arriver à voir tenir sa promesse, effectivement, il ne veut pas revenir encore dans Jean 14, nous redire la même promesse, que je m'en vais vous préparer une place. Et cela aussi, en tenant cette promesse, effectivement, il démontre qu'effectivement, qu'il ne parle pas en l'air, effectivement, mais qu'il parle effectivement de choses dont il sait, et dont il a la capacité de pouvoir amener cela, effectivement, aussi à son accomplissement. Parce que quand Jean a décrit effectivement la ville en question, vous nous rendre compte que c'est vraiment extraordinaire. Et nous comprenons maintenant ce que veut dire effectivement aussi la foi. C'est-à-dire que arriver à pouvoir croire, et c'est vrai, parce que la manière dont cela, la définition a été donnée en disant que c'est une ferme assurance. Ce n'est pas une sorte de probabilité parce que ces gens-là, vous vous souvenez quand nous avons lu ça, je pense, dans les livres des Hébreux. Regardez, je pense que c'est cela qu'on a lu ça quelque part dans le livre des Hébreux, au chapitre 11 ou quelque chose comme ceci. Je suppose que c'est cela, juste nous puissions arriver à pouvoir le voir aussi. Hébreux au chapitre 11, et nous lisons effectivement verset 8, rapidement dit, mais Hébreux 11, je dis, mais c'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, dont sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Vous y êtes, hein? Je vais prendre la même chose que vous ici dans votre version pour que nous puissions être aussi dans le même diapason. Donc, Hébreux, donc, au chapitre 11, et nous lisons donc le verset 8, c'est cela, oui, c'est cela. Pardon, je vais donc y arriver, voilà. Il dit donc, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qui devait rester en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Vous vous souvenez, non? Mais c'est par la foi aussi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, le co-héritier de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous voyez que ça, c'est merveilleux de pouvoir voir comment ces hommes avaient cette assurance dans les choses qui concernaient Dieu, effectivement. Mais une cité dont Dieu était donc lui-même le constructeur et l'architecte. Alors il dit, effectivement, mais c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité et l'enfantant parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est donc dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Donc nous comprenons qu'effectivement que tous ceux-là qui nous ont précédés, ils avaient réellement une ferme assurance dans ce que le Seigneur, notre Dieu, pouvait arriver à pouvoir réellement aussi leur annoncer. C'est quand même extraordinaire parce que vous pouvez remarquer que du temps de Noé, comme vous pouvez le voir effectivement, ce temps de Noé, je pense, c'est dans le livre de Genèse au chapitre 6. Et si nous retournons un peu plus loin, on retrouve dans Genèse chapitre 1. Nous voyons donc la création, et puis chapitre 2, et puis chapitre 3, lorsque le serpent est venu, effectivement, ainsi de suite. Donc, et puis chapitre 4, quand il est sorti, et puis évidemment, avec aussi Caïn et Abel, et puis chapitre 5, pour ça, effectivement, aussi d'Adam, comme vous l'avez vu, effectivement. Et puis,
chapitre 6, effectivement, on nous parle effectivement de Noé. Remarquez très bien, frères et sœurs, ce que depuis les chapitres 2, 3, 4, effectivement, donc effectivement, les gens, et même quand on nous parle effectivement de la durée des vies, effectivement, de ceux qui étaient là, par exemple, comme Adam, et puis les 7 et les autres, effectivement, combien leurs années étaient dans les 600, 700, 800, effectivement. C'est-à-dire qu'ils vivaient tellement longtemps parce qu'ils étaient encore plus près des choses qui étaient encore davantage à la présence de Dieu. Mais remarquez bien, au chapitre 6, effectivement, c'était pas encore très lointain. Par rapport au chapitre 11, effectivement, c'était encore pas très lointain. Mais regardez ce qui est extraordinaire, c'est que c'est dans cette période-là, chapitre 6, effectivement, qu'on parle de quelque chose que les hommes qui étaient sur la terre, leur cœur était tourné vers le mal. Et puis, Dieu qui vient vers un homme du nom de Noé, effectivement, qu'on lui dit que Noé trouve la grâce de Dieu. Et puis, Dieu lui parle, effectivement, donne un message particulier, effectivement, qui était contraire, effectivement, à la pensée des hommes. Mais regardez, on se pose la question, on va savoir, mais combien ont pu croire à cela? C'est pour que nous puissions comprendre qu'effectivement, que la parole de Dieu ne peut jamais et ne pourra jamais retourner à Dieu sans avoir accompli les desseins pour lesquels il a été envoyé. Or, ça veut dire que quand Dieu parle et qu'il dit quelque chose, soyez sûr et certain qu'il y aura de véritables croyants qui vont croire de tout leur cœur, mais vraiment sans l'ombre d'hésitation. Parce que c'est là, oui, mon frère et ma soeur. Il y aura des gens qui ne vont pas croire, qui seront des chrétiens limitrophes. Mais il y aura de véritables chrétiens, de vrais qui croiront réellement, sans doute effectivement, parce que cette parole leur a été envoyée. C'est pour ça que nous croyons dans le livre de 2 Pierre, je pense, 1 ou 2 Pierre, je pense qu'il dit une chose effectivement ici, je crois que vous le trouvez dans 1er ou 2 Épître de Pierre, je suppose que c'est cela, nous allons le lire avec vous ici. Où cet homme de Dieu nous prépare de cela, je pense que c'est cela, effectivement, ou c'est comme si, oui, c'est dans 1 Pierre, je pense, si c'est cela, oui, je suppose que chapitre 2, effectivement. À 1 Pierre au chapitre 2, il dit ceci, je pense que, verset 6, 1 Pierre chapitre 2, verset 6, il dit, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Et puis verset 7, il dit, son honneur donc se montre donc pour vous qui croyez. Pour vous qui croyez. Donc cette façon de pouvoir croire est la façon dont Dieu aime réellement que nous croyons dans ce sens-là. C'est pas la manière dont nous pensons pouvoir croire, mais c'est la manière dont Dieu pense effectivement que c'est cette façon-là de pouvoir croire qu'il veut. Il dit, mais son honneur se montre pour vous donc qui croyez, vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue donc la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont donc destinés. Mais il dit, vous au contraire, vous êtes donc une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son aimable lumière. Amen. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. C'est-à-dire qu'effectivement, que c'est pour que nous comprenions qu'en réalité, que quand Dieu prononce une parole, sûr et certain, frères et sœurs, tout le monde ne va pas croire. Il y en a de ceux qui vont croire une partie. Il y en a de ceux qui vont essayer de pouvoir croire, mais il y en a de ceux-là qui ne demandent même pas autre chose que de croire simplement ce que Dieu a dit. Pour quelle raison? Parce que Dieu, quand il dit une chose, effectivement, la parole qui sort, elle doit s'accomplir. Donc il doit y avoir des hommes ou des femmes que Dieu a créés pour cette période-là. Est-ce que vous suivez? Qui doivent réellement croire, même si la parole est tellement difficile, mais ils ne peuvent pas douter. Parce que c'est pour le temps dans lequel ils sont que Dieu les a placés là, avec ce qui est nécessaire dans leur cœur, pour croire. Parce que expliquez-moi comment est-ce possible qu'un homme comme Abraham, qui était aussi un idolâtre, messieurs, pouvait entendre la voix de ses dieux, dit, mais qui ton père et ta mère et ta patrie? Ce n'est pas facile. Donc tu dois tout abandonner. Tout le monde ne peut pas le faire. Mais l'homme entend simplement, il pouvait quand même discuter aussi.
Mais puis bon, est-ce que c'est vraiment Dieu? Parce que bon, est-ce que parce que on nous a pas dit qu'il priait les dieux d'abord, enfin, il priait du nous. C'est qu'on s'est dit qu'il était là, qu'il était charant avec sa famille, avec tout ce qu'il avait, effectivement. Mais il entend Dieu vient vers lui. Parce que Dieu ne fait pas les choses par hasard. Il vient vers lui, il s'adresse à lui. C'est sûr et certain. Et il était sûr et certain que quand il s'adressait à Abraham, Abraham croirait. Pas une petite moitié de quelque chose, non. Qu'Abraham avait en lui la chose qu'il fallait pour que quand Dieu parle, qu'il croit. Parce que Dieu savait, Abraham ne le savait pas. Mais Dieu savait qu'au travers d'Abraham, il ferait l'histoire. Cet homme ne savait pas que son nom serait aussi grand. Parce qu'on nous dit aussi aujourd'hui que nous sommes la postérité d'Abraham. Mais il ne te connaît pas, il ne me connaît pas. Il ne veut pas savoir effectivement que l'action que Dieu a posée sur lui allait avoir l'impact dans le monde entier. Nous sommes la postérité d'un homme qu'on appelle Abraham. Simplement parce que quand la parole de Dieu est venue vers cet homme, on a pu voir que l'homme n'a pas discuté. L'homme ne s'est pas mis à raisonner, effectivement. Et puis, et quand bien même la partie qui me touche beaucoup, c'est que quand il savait très bien que sa femme était stérile, effectivement, il dit à Dieu, je m'en vais 100% enfant, tu me bénis, effectivement. Et Dieu lui dit, regarde le ciel, compte les étoiles. Chose qu'un homme comme vous et moi, j'ai toujours répété ici, on ne peut pas croire cela. Comment un homme seul, effectivement, va, il n'a même pas une femme qui peut affronter, effectivement, mais cet homme, venant sa femme, va avoir, il a par lui, effectivement, il va avoir une multitude de. Non, non, il peut dire, mais non, Seigneur, quand même, je peux croire à tout, mais quand même, ça, c'est quand même difficile, là. Mais non, la Bible dit que, effectivement, Abraham crut à cela. Écoutez bien d'abord comment l'Écriture dit, je pense, dans le livre de Genèse, effectivement, au chapitre, je pense que c'est cela, oui. Chapitre 15, je pense. Oui, Abraham, chapitre 15, Genèse 15, verset 1, il dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut donc adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera donc très grande. Et Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu parce que je m'en vais sans enfant? Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera donc mon héritier. Donc il n'avait pas d'enfant. Et cet homme dit, mais je vais avoir tout ça, mais qui va en hériter? Ce n'est pas une postérité qui vient de moi, qui va rester sous la terre en témoignage. Vous savez que quand Dieu vous choisit, vous appelle, mon frère et ma soeur, vous ne pouvez pas imaginer les promesses que Dieu a pour vous, amen. Et aussi les bénédictions qui vont vous suivre. Amen, amen. Parce que Dieu ne fait. C'est pour ça, ne soyez pas négligents. Il faut qu'on soit conscient de ce que, de l'appel que Dieu nous a accordé. Pourquoi je pense le livre des Éphésiens, chapitre 4, effectivement, je pense que Éphésiens, nous revenons d'Abraham tout à l'heure. Éphésiens au chapitre 4, je suppose que cet homme de Dieu, je crois l'apôtre Paul, je pense qu'il nous dit cela aussi. Il dit, voilà, regardez bien. Il dit verset 1, il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. La vocation, c'est quoi? Mais c'est l'appel. Amen. Comme Abraham, effectivement, a été appelé. C'est pour ça que, je pense, dans les Hébreux, nous l'avons dit, effectivement, aussi, hein, ici, verset, chapitre 11, verset 8, il dit, c'est par la foi qu'Abraham obéit lors de sa vocation. Vous suivez cela? Amen. La vocation, mais c'est l'appel qui lui a été fait. Donc Dieu l'a appelé. Quitte ton père et ta mère, ta patrie. Dieu a fait la même chose aussi avec toi. Amen. S'il a fait avec toi, il faut que tu sois conscient que, parce qu'Abraham savait que Dieu l'a appelé. Savait que Dieu lui a dit clairement, quitte ton père et ta mère, ta patrie. C'est ça qu'on appelle la séparation, en fait. Donc, on est complètement et totalement séparés. Il n'y a plus de tribus, il n'y a plus de pays que nous sommes des Congolais, nous sommes des Camerounais, nous sommes des Flamands. Non. Il n'y a plus cela. Quand Christ t'a appelé, effectivement, il t'a fait sortir de toutes ces choses. Amen. C'est jamais quand on revient, nous sommes des Congolais, nous sommes des je sais pas, mais des Camerounais. Non, mon frère, c'est vrai que, humainement parlant, mais nous ne sommes plus à ce stade-là. Amen.
Nous sommes sortis des coutumes, des vêtements de nos parents qui nous amenaient toujours à des choses immondes, effectivement. On doit sortir de là. Maintenant, on avance, effectivement, avec un frère et soeur. J'avance avec les frères que Dieu a fait sortir, où c'est du Cameroun. Amen. Que Dieu a fait sortir de l'Italie, Amen. De l'Allemagne, effectivement. Il n'y a plus d'Allemands. Amen. Parce que Dieu nous a fait, c'est la paix de Dieu. Sortez du milieu de mon peuple. Parce que si on reste, effectivement, Congolais, on a des coutumes des Congolais. Il faut que nous comprenions que l'appel à sortir, c'est comme Abraham, quitte ton père et ta patrie. C'est-à-dire qu'on quitte tout, effectivement, pour marcher avec qui? Avec les drapeaux du Congo partout où nous passons? Non. Il ne nous a pas demandé de pouvoir prendre les drapeaux de tel pays, de pouvoir s'identifier. Je marche avec les tels. Non. L'étendard du salut. Nous sommes un peuple, c'est vrai, n'oubliez pas cela, frères et sœurs. Nous sommes citoyens des cieux. Dès que nous marchons, nous sommes citoyens, nous avons une patrie qui est la nôtre, vers laquelle nous allons. C'est pour ça que l'un était chinois, l'autre était italien, l'autre espagnol. Maintenant, quand je leur dis, mais je n'ai pas un frère qui est espagnol, c'est un frère en Christ. Une seule nationalité. Oh frère, que Dieu nous aide à comprendre cela, parce que quand on pose le regard sur mon frère, ah, c'est un Espagnol, ah, il ne mange pas comme moi. Mais ça n'a rien à voir, mon frère. La nourriture, vous savez, je ne sais pas, mais que Dieu nous aide. Je vous ai toujours dit, prenez un Espagnol, amenez-le dans le fin fond des Casumales. Je pense que Casumales, ça existe. Hein. Oui, ça existe. Eh bien, là-bas, donnez-le les chocos, je ne sais pas si... Les chocos, comment on appelle les chocos, c'est ça, chocos. C'est ça, mon monsieur. Avec les bitoyos. Vous vous laissez là-bas avec la sauce de bitoyos, là, les tomates, là, avec les petits. Faites d'abord. Vous allez voir, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils s'étapent toutes ces choses-là, évidemment. Mais vous l'amenez ici, vous donnez des fruits. Dites, oh, c'est pas possible. Il n'y a pas un peu de. Hein? C'est vrai que comme ça. Parce que son estomac, sa langue est habituée avec les bitoyos. Il peut manger avec vous avez les arêtes dans la bouche qui séparent la langue, séparent les arêtes. Il est tellement habitué que tu dis, mais c'est pas possible. Oh, mais chez nous, il dira pas au Congo, il dit, chez nous là-bas. Parce que il n'avait. Mais c'est la vérité. C'est l'environnement qui fait ça. Mais quand nous sortons de cela, nous sommes en Christ, nous avons notre environnement. Amen. Les choses changent, notre langage change, nous voyons les choses différemment. Parce que c'est à quoi le Seigneur, notre Dieu, nous a appelés, frères et sœurs, à quitter toutes ces choses-là. Parce que pourquoi? Il a préparé quelque chose de meilleur pour toi. Parce que s'il t'a fait sortir d'un pays pour que tu ne sois plus à participer à ces pays-là, mais c'est pour que tu puisses aller dans ton pays. Amen. Bien sûr, nous n'étions pas un peuple. C'est vrai. Mais maintenant, nous sommes un peuple. Et nous avons une nation. Un peuple acquis. Une nation sainte. Un sacerdoce royal. Nous savons où nous allons. Nous ne sommes pas des aventuriers sur la terre comme si on tentait de jouer au football. Non. Nous sommes sérieux de l'appel que Dieu nous a adressé. Oui, monsieur, nous en sommes convaincus. Et nous marchons avec assurance, frère. Si tu marches un pied à gauche et un pied à droite, tu n'arriveras pas à pouvoir avancer dans cela. Non, parce que ce chemin est tellement étroit. Ça veut dire que tu dois prendre les dispositions que sur ce chemin qui est étroit. Regardez, très bien, il faut comprendre, effectivement, dire, large et spacieux, chacun veut, il marche comme il veut. Mais sur le chemin étroit, on ne marche pas comme il veut. Ce chemin-là, il est bien taillé pour que tu aies la forme qu'il faut pour y passer. Il est tellement étroit, si tu es trop gros, ça pose un problème. Donc, c'est-à-dire qu'il faut tout faire pour maigrir. Mais pour avoir la forme des secondes mains, c'est-à-dire qu'il faut que je puisse... Mais c'est vrai, frère. C'est une illustration, hein. Je n'ai pas dit aller faire des régimes. Non, c'est la vérité, frère et soeur. Ce n'est qu'une illustration pour comprendre que le chemin étroit, il n'est pas comme le large, où on peut manger la semoule comme on veut, on laisse les corps aller comme n'importe comment, puis on peut marcher sur ce chemin comme ça. Non, là, il est étroit. Donc, je veille sur ce que je mange. Alléluia. Et Dieu te bénisse, Lise. Oui, je mange pas n'importe quoi qui fait bien. Non, je veille comme l'aigle. Il veille pour que tout pousse à la même dimension, pour que quand il lève les ailes, l'envergure y est. Alléluia. Oui, monsieur.
Frère, je ne peux pas aller n'importe où. Non, je dois marcher comme il veut pour que la taille soit. Je vais passer sur le chemin étroit. Parce qu'il est resserré. Je dois, mon frère. C'est pourquoi nous devons nous traiter durement. Le monde va nous insulter et vous vous privez. Vous n'allez même pas prendre un petit verre. Je n'y vais pas prendre ton verre. Parce qu'ici, ah oui, c'est vrai, frère. Non. Les plaisirs du monde, vous pouvez les prendre. Parce que moi, je dois être dans la forme de telle que je puisse passer sur ce chemin étroit. Ah, chemin de douleur. Mon maître m'a montré qu'effectivement, que pour atteindre cette gloire-là, je dois passer par ce chemin-là. C'est là qu'il nous a dit, on nous a dit, homme de douleur, habitué à la souffrance. Oh oui, c'est ça notre quotidien, mon frère et ma soeur. On ne peut pas être comme le monde, effectivement, qui désire effectivement que oh, tout soit toujours sucré, sucré. Non, moi je vais prendre les branches amères. Vous savez que c'est bon pour la santé? Ah oui, toujours sucré, sucré. Non, sucré mauvais pour le corps. Mais les branches amères qui te font, aïe, c'est pas bon là. Eh bien, ça fait du bien au corps. Et c'est pour ça que nous, que les fouets viennent, gloire à Dieu. Les difficultés sur le chemin, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'étaille. Il m'étaille, il m'émonde effectivement. Parce que quand il y a trop qui passe comme ça, il frappe pour que je sois comme cela. Mais c'est la vérité, mon frère et ma soeur. Nous avons besoin de pouvoir nous tenir effectivement. Surtout que nous comprenions en réalité pourquoi Dieu s'est adressé à moi. Abraham était conscient. Et toi, tu as appelé fils d'Abraham. Vous vous souvenez, frère et soeur? Vous vous souvenez, frère et soeur, ce n'est pas une histoire qu'on peut arriver à parler. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à ceux-là qui étaient charnellement, qui eux-mêmes s'appelaient fils d'Abraham? Il a dit, mais si Abraham était votre père, vous ferez les œuvres d'Abraham. Et si nous sommes la possédée d'Abraham, pourquoi on nous appelle la possédée d'Abraham? Qu'est-ce qu'Abraham a pu faire d'extraordinaire? Il ne sait pas où faire lui-même. Pas du tout. L'obéissance, la foi dans la parole de Dieu, sans nos frères que Dieu nous aide, sans hésitation, sans l'ombre d'un doute. C'est cela le caractère que Dieu veut trouver en toi. Par rapport avec quoi? Avec les promesses qu'il t'a faites. Pourquoi douter les promesses? La guérison, c'est pour toi. Même si j'ai... Non, mon frère, je ne peux pas douter de Dieu. Parce que, aussi vrai que tu es né de lui, le doute est parti. Comme nous le chantons, chaque promesse est dans la Bible. Vous comprenez, non? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Parce que, frères et sœurs, tu perds ton temps inutilement si tu ne le crois pas. Parce que ça ne sert à rien, tu peux jeûner ici, chanter ici, faire tout. Quand la trompette retentira, tu vas rester. Ah ben oui, c'est pas l'effet des doigts, parce que je vais... Non, il va pas te regarder parce que tu viens à l'église. Non, il va regarder quand tu viens, qu'est-ce que tu apportes au-dedans de toi. Sûr et certain, frère et soeur, c'est la chose que Dieu veut voir. Est-ce que vraiment il croit en moi? Il a dit ça, c'était Marc, je pense, dans la scène de... Marc, effectivement, quand il a dit, le départ, quand il est venu, il a dit oui, il dit, Seigneur, si tu étais là, dit, mon frère ne serait pas mort, dit, gloire à Dieu, puis il dit, mais ton frère ressuscitera. Et même, il a dit, tout ce que tu demanderas, des choses que Dieu te les donne. Il dit, mais le Seigneur, il dit, non, je suis la résurrection et la vie. Il fallait que les oreilles s'ouvrent. Mais ils arrivent maintenant devant le tombeau. Parce que quand il a dit, il veut voir aussi jusqu'où tu vas aller. Ôter la pierre, parce que tu voulais que ton frère vive. Tu m'avais invité. Frère, le Seigneur n'oublie pas ce que tu lui demandes. Même si les mois sont passés, il viendra toujours. C'est parce que nous ne regardons pas bien les choses, mon frère. J'ai prié, je ne vois rien. Non, il est là pour toi. Il va le faire pour toi. Mais regarde de quelle manière il est fait. Il avait prié, il dit, mais Seigneur, viens pour que mon frère vive. Yeah. Parce que le désir, c'est quoi? Que mon frère ne meure pas, qu'il soit vivant. Mais ce n'est pas vrai. Tu voulais qu'il soit vivant. Mais maintenant, il est venu. Mais il est venu quand il est mort déjà, plus d'espoir et rien du tout. Mais tu l'as invité. Tu as envoyé des messagers vers qui? Dieu n'oublie pas. Ton désir, il essaie. Seigneur, donne-moi. Il sait ce que tu veux. Mais maintenant, il est venu, effectivement. Si tu étais là, il regardait, il a parlé, la parole avec respect. Il m'a dit, mais ton frère, tu le voulais, non? Il ressuscitera.
mais elle est partie déjà dans le futur. Il dit non, je suis le présent. Tu m'as pas appelé dans le futur, tu m'as appelé dans ton présent. Donc j'ai dit, va ressusciter. Il dit, moi ici, je suis la résurrection et la vie. Mon frère et ma soeur, c'est la vérité. Il arrive, il dit, ah, Rabbi, Seigneur, il sent déjà. Est-ce que le Seigneur ne savait pas qu'il était déjà pourri? Mais il savait. Quand ton problème est devenu tellement compliqué, plus bas, il sait très bien. La situation peut pourrir, il se laisse pourrir la chose. Mais ce qu'il attend de toi, est-ce que tu crois qu'il est capable de faire l'impossible? Il va le faire. Alléluia. Oui, monsieur, il ne peut pas faillir notre Seigneur. Non. Il ne faillira jamais, frère. Non. Il a fait la promesse de pouvoir être... Mais c'est sûr et certain. À toi, il a fait la promesse. Il tiendra sa promesse. Amen. Sûr et certain. Je vais terminer. Alors là, il dit... Où l'avez-vous vomi? J'aime Dieu. Vous savez, oh, que ton nom soit béni, Père, tu es merveilleux. Vous vous rendez compte, effectivement, que pendant qu'ils lui ont parlé, ils ne se rendaient pas compte qu'effectivement, que Dieu était tenté de répondre à leur prière. Mais il voyait ici que, frère, voyez Dieu plutôt que les circonstances. Parce que ça, c'est la foi qui regarde. Peu importe les circonstances, mais c'est pourri, ça peut plus être possible. Non, ne regarde pas la circonstance. Regarde l'auteur qui te parle. Sa capacité de faire les choses pour toi. C'est ce que tu dois regarder. Pas les vagues, non. Pas les vagues, non. Il calme la vague. Il calme la tempête. Il te fait marcher sur les eaux. Quand il te dit, fais simplement. Crois simplement. Et la chose se fera. Il savait, mon frère. Il savait très bien que Lazare était mort depuis 4 jours. Il était pourri, décomposé. Il n'y avait pas d'espoir. Mais tu avais prié. Tu m'as demandé. Tu m'as invoqué. Eh bien, je suis venu. Oh oui, monsieur. Nous l'avons entendu ici, frères et sœurs. Ce n'est pas au moment où ils ont dit au roi, effectivement, que oh, sachez que notre Dieu est capable de pouvoir le faire. Ce n'est pas à ce moment-là que Dieu est venu. Non, ce n'est pas quand on les a liés que Dieu est venu. Non, ce n'est pas quand ils s'approchaient à la porte que Dieu est venu. Non, c'est quand ils sont entrés dans le feu. Ils ne s'y attendaient même pas. Mais vous l'avez vu voir lui. Il vous avait dit, il est capable. Il dit, voici ma capacité. Au fait, dans l'enlèvement, nous partirons. Sûr. Alléluia. Et certain, frère. L'enlèvement aura lieu, frère. Nous partirons. Nous rentrerons chez nous. Tu vas rester ici faire quoi? Regarde, simplement les vents de Corona. Regardez-les. Ce n'est qu'un petit, je vous l'ai dit ici, non? Ce n'est qu'un petit truc qui passe. Bien sûr, Corona passera. Bien sûr que ça passera, monsieur. Vous n'avez pas remarqué que les débuts, Corona, la mort est apparue, tout le monde mourait par la peur. Mais aujourd'hui, ils ont commencé à dire, bon, vous restez, c'est toujours. Pourquoi vous ne voulez plus me mettre des piqûres? Oui, ça, c'est ça. Bon, bref, nous y entrerons une fois si Dieu le permet pour vous pouvez comprendre pourquoi ça se passe, mais c'est pas aujourd'hui. Donc, nous comprenons qu'effectivement, que nous devons avoir confiance. Amen. Avoir foi. Frère, ce n'est pas un petit Dieu. Les catholiques, ils ont leur petit Jésus dans la main de Marie. Ce n'est pas ce Jésus-là dont nous sommes intéressés. Celui-là, il est inactif. Celui-là, il ne peut rien faire. Il est dans les bras d'une maman. Il est toujours là, mais on va le prier, il ne fera jamais rien. Mais nous avons besoin de celui qui dit, j'étais mort, je suis vivant. Il a dit, puisque je vis, vous vivrez également
aussi. Où l'avez-vous mis? Elle a oublié qu'ils avaient pleuré en disant qu'il vienne, dites-lui qu'il vienne. Il n'est jamais sourd à ta prière, à ta requête, mon frère et ma soeur. La seule chose qui te dit, c'est que, est-ce que tu crois ça? Même quand tu vois qu'il n'y a plus d'espoir. Souvenez-vous que ce qui s'est passé dans les Saintes Écritures, c'est pour notre instruction. La mer Rouge, c'était aussi sans espoir. Dans les déserts, sans eau, sans espoir. Au moins plus de la soif que de la faim. C'est là où il n'y avait pas d'eau. Même pas une terre sur laquelle on pouvait dire on va creuser pour que l'eau sorte. Il n'y avait rien. Juste sur le pierre. Où il n'y a pas d'eau dans le pierre. Oh. Alléluia. Un rocher. Juste un rocher. Il dit, frappe le rocher. Et l'eau est sortie du rocher. Oui, oui, mon frère et ma soeur. Nous ne pouvons pas arriver à pouvoir comparer ces dieux avec notre conception ou notre imagination. Parce que toi et moi, notre imagination n'a jamais rien accompli. Pourquoi je ferais confiance à mes doutes? Dieu te bénisse. Pourquoi je ferais confiance en moi? Parce que je n'ai même pas la capacité de voir faire sortir. Même si je dois parler au rocher, il n'y aura même pas de l'eau. Qu'est-ce que je peux changer, moi? Rien du tout. Mais lui, oui. Il a changé l'eau en vin. Il a dit à Moïse, parle au rocher. L'eau est sortie. Là où il y avait point d'issue de la mer Rouge, il a ouvert. Toi, tu peux ouvrir même les petits ruisseaux. Juste même les petites flaques d'eau que nous avons ici. Dis, flaque d'eau, c'est par toi. Que moi, je passe. Il ne va même pas. Il sera plus sourd que les murs même. Bien sûr que oui, il n'entendra jamais. Tu peux laisser la flaque d'eau. Ouvre-toi. Jusqu'à ce que tu marches dans la flaque d'eau toi-même. Mais là, c'était la mer. La mer, mon frère, pas d'issue. Il dit, mais pourquoi tous ces cris? Ne suis-je pas vivant? Il dit, Moïse, pas, c'est tout. Et la mer a obéi. Parce que ce peuple-là était loin par lui. Et la mer ouvrit les chemins. Mais il ne voyait pas les chemins étaient devant eux. Il avait tracé cela. Est-ce que toi, tu peux le faire? Alors, pourquoi peux-tu douter de la parole de ce Dieu qui t'a prouvé? Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Tu peux prolonger ta vie à toi, mais Dieu peut le faire. Alors pourquoi douter? Pourquoi douter de ce qu'il a dit dans les Saintes Écritures, mon frère et ma soeur? Pourquoi trembler? Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Si nous ne connaissions pas Dieu et sa parole, ça serait différent. Il dit, mais où l'avez-vous mis? Nous avons terminé. Où l'avez-vous mis? C'était déjà sans espoir. Oh, j'ai prié Dieu, Dieu ne m'a pas entendu. Mais en fait, Dieu t'entend. Il t'entend très bien. Parce que quand tu demandes quelque chose, il a dit, mais si vous demandez quelque chose en priant, c'est vrai, donc, si vous le demandez selon sa volonté, croyez. Je ne vois pas un frère ou une soeur qui soit ici qui dit, Seigneur, aide-moi à aller voler la voiture de monsieur qui est là-bas. Je ne peux pas. C'est vrai, frère. Ou aide-moi à savoir comment casser la vitre pour rentrer, pour voler. Non, je ne peux pas voir un frère qui peut prier comme ça. Mais un frère va prier, Seigneur, aide-moi à vivre comme tu veux. Amen. Non, c'est toujours selon la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Ne laissez pas Satan vous mettre des pensées dans la tête. Non, quand tu es un enfant de Dieu, tu ne vas pas désirer voler. Tu vas désirer que Dieu fasse quelque chose, que tu fasses quelque chose de bien pour ton Dieu. Donc nous sommes dans la voie. Ce qui nous manque, nous, c'est la persévérance dans ce que nous demandons à Dieu. Syrophénicienne, la femme. Vous vous souvenez? Ah oui, elle avait un désir.
C'était que son fils là-bas puisse être délivré. Vous vous souvenez? Mais qu'est-ce qu'il n'a pas trouvé comme embûche? Il attend d'abord, mais il dit, mais renvoie-la, renvoie-la. Bien sûr que quand tu entends déjà ça, que les gens avec qui tu es, par exemple, là, les frères, les rois, ils sont toujours, mais il exagère, cette soeur, ça te décourage. Tu dis, mais quand même, je suis venu au milieu quand même des chrétiens, des croyants, il est vraiment encouragé pour cela. Dieu te teste. Bien sûr que oui. Il dit, mais Seigneur, elle fait beaucoup de bruit, renvoie-la. Elle a entendu. Mais il n'a pas reculé. Il a toujours avancé. Hé, hey, pitié de moi, mais il crie trop fort. Ça nous dérange, fait la terre. Et puis il entend le maître, il dit, mais je n'ai pas été envoyé, effectivement, aux étrangers. J'ai été envoyé qu'au fils d'Israël. Et il crie encore plus fort. Seigneur, mais je ne peux pas donner l'autre des enfants. Oh, chien, ça c'était pour... Là, c'était. Imaginez, j'ai toujours dit, mais je dis que. Je donne un exemple que moi, je dis. À part que tu ne veux pas dire ça, mais. Je donne un exemple. Juste un exemple. Enfin, je ne peux pas le faire, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous allez dire, effectivement, à les frères est devenu. Il exagère, mais là, il se prend pour qui? Parce que Dieu peut vous tester aussi. C'est pour voir l'amour, le respect, la considération que vous avez dans toutes les circonstances, c'est sûr et certain. Ça, c'est vrai, frères et sœurs. Dieu peut permettre une circonstance. Parce que bon, vous souriez, puis un jour comme ça, j'ai dit ça, les gens commencent à dire, ah non, bon, passons cela. Et oui, c'est vrai, il faut que les gens soient spirituels. Parce que quand tu donnes un exemple, évidemment, ça voit qu'on est devenir quelque chose, on saisit l'occasion, alors que ce n'est pas ça. Ce que vous faites, c'est l'esprit mauvais. À ce moment-là, c'est pour ça que je ne vais pas donner cet exemple. Alors, nous voyons qu'il dit à la femme que je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Ah, vous connaissez cela bien, puisqu'on le répète ici. La femme a réalisé que vraiment que le maître lui-même, le Seigneur veut qu'il allait. Il dit, mais c'est quand même un serviteur de Dieu, non? Il agit comme ça. Voyez-vous, plus il a dit comme ça, l'amour et le respect encore augmenté. C'est vrai. Ah, c'est extraordinaire. Quand je vois maintenant ce tableau, je dis Dieu d'Abraham. Si tu l'as permis pour que ça soit écrit, tu avais raison. C'est incroyable, parce que quand un serviteur de Dieu vous dit, avec un ton comme ça, que vous parlez, vous allez le détester. Ouais, mais voyez-vous, oui, il se prenait, bon, on le respecte, il se prenait pour qui, effectivement. Mais un homme de Dieu, vous ne devez pas lui manquer du respect. Dieu vous éprouve aussi, effectivement, pour voir comment vous allez réagir. Oh, tu vois, il a parlé de moi, il est dur, et puis il m'a dit ça, effectivement, je parle de l'église. Il n'y a pas de problème. Dieu teste. La femme ne savait pas qu'on l'a testé. Non. La chose qui était en elle était quoi? Il dit, je regardais partout. C'est seulement cet homme ici. Qu'il me frappe, qu'il me repousse. Il a quelque chose de meilleur. Parce que j'ai comparé. Lui, il a. Non. C'est pour ça qu'il ne pensait pas qu'il savait qu'on l'a testé. Non! C'est ce qu'elle a cru en elle pour cet homme-là de Galilée qu'il voyait. Il savait que ma délivrance, mais tout ce que je veux, c'est ça la foi. La foi, ma délivrance est dans cet homme-là. Qu'il frappe, qu'il parle dur, qu'il me chasse, qu'il fasse ceci. Je dis, où veux-tu que j'aille? Vous n'avez pas remarqué Pierre? Pierre, tout le monde dit, mais le Seigneur dit, je reviens à la femme, puis nous allons clôturer. Oui, c'est le temps. Le Seigneur dit aussi d'une manière assez dure. Vous connaissez cela? Parce que vous lisez, hein, mettez-vous à la place de cette époque-là, où ils avaient la parole de Moïse. Il dit, mais celui qui mange le sang, évidemment, il est coupable, évidemment, parce que Dieu ne veut pas manger ça. Et puis, on voit un homme qui vient. Qui est toujours un paros pour même les renseignements, effectivement, parce que Jésus, on ne l'aimait pas, on le détestait. Et puis il leur dit, mais c'est lui qui ne mange ma chair. Il a bien dit les choses clairement. Vous savez, mettez-vous à cette époque-là, frère. C'est lui qui ne mange ma chair. Il dit, mais mon Dieu, là, c'est le summum de tout. Dieu sait comment faire les choses. Parce qu'il dit, mais maintenant, il a dévoilé sa nature, il est allé au-delà. Manger la chair de bœuf, oui. La chair de poule, oui, bien sûr. Des animaux, oui. Mais quand même d'un être humain. Ça, même Moïse, le prophète, n'a jamais dit ça. Bien sûr qu'il n'a jamais dit ça, parce qu'il n'était pas la parole. Alléluia. Amen.
Bien sûr. C'est sûr et certain. Jésus-Christ est la parole faite chair. Moïse n'était pas la parole faite chair. Non. Ah oui, monsieur. Il avait le droit de dire que c'est lui qui les mange, ma chair. Ah oui. Dans Matthieu, il a pris la pas dit, mais ceci est mon corps. C'est vrai, non? Il dit, c'est lui qui ne mange ma chair. Il ne boit mon sang. Mon sang, ici, il faut qu'il boive mon sang. Ah là là là. Quand on est charnel. Là, oui, mon grand, c'est sûr, quand on est charnel, on peut même le tuer pour que les gens disent que cet homme-là, il est un homme de Dieu. Parce qu'il a tué l'hérétique. On voit qu'il est... Non, 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 non. C'est sans émotion charnelle. Quand vous aimez Dieu, vous devez être spirituel. Bien sûr. Quand il a dit qu'il boit mon sang, on devait comprendre. La vie est où? La vie est... Les saints. Vous savez pourquoi les pécheurs dans l'ancienne alliance, effectivement, ils sortaient toujours pécheurs avec la conscience souillée? Parce que les saints des animaux, la vie d'un animal est inférieure à la vie d'un homme. Ah oui, ils ne pouvaient rien faire, simplement couvrir. Mais la vie qui était dans ce sang-là, c'était le sang de Dieu, n'est-ce pas? Ce n'était pas une autre vie que la vie qui pouvait te racheter. Mais racheter aussi. Quand il a dit que cela, tous ceux qui étaient avec les disciples, ils sont donc partis, vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils se sont commencés à pouvoir s'en aller un à un. Vous vous souvenez? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a regardé tous les autres qui sont restés. Il a d'abord dit, mais mes paroles sont esprit et... Il faut toujours bien comprendre. Et puis il pose la question, mais pourquoi vous ne vous en allez pas, vous aussi? Il n'aura pas dit, oh, ayez pitié de moi parce que je suis votre maître. Si vous m'abandonnez, je vais prier, je vais commencer à prêcher aux chaises. Non, mais il y en a des comme ça, hein, des prédicateurs qui changent parce qu'il a fait du voir que les peuples ne sont pas contents. Ils changent. Oui, c'est vrai, ne faites pas des histoires qu'on vous raconte, mais c'est vrai. Parce que comme nous l'avons toujours dit, quand Dieu appelle un homme, s'il est appelé de Dieu, sûr et certain qu'il y a aussi un peuple pour l'écouter. Amen. Jean-Baptiste, appelé de Dieu. Mais il prêchait dans le désert. C'est Dieu qui a envoyé les âmes. On n'a pas à pouvoir se battre. Il faut que je puisse calquer, dire des choses qui ne plaisent pas. Mais que ça ne plaise pas, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de pouvoir prêcher la parole. Dieu prend soin. Ceux qui sont de Dieu restent accrochés. Ceux qui ne sont pas de Dieu, ils s'en iront. Ce n'est pas moi qui dois faire la séparation, c'est Dieu qui fait les tri. Donc, il a dit, mais pourquoi vous ne vous allez pas vous aussi? C'était pour notre témoignage aujourd'hui. Pierre était aussi avec les autres. C'est lui qui répondait, il dit, à qui d'autre irions-nous? Il me dit, mais, et puis il continue en disant, c'est de toi que... Nous entendons dire, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Vous voyez la foi? Donc l'homme n'a pas regardé comme les autres regardaient cet homme-là, qui sont partis effectivement parce qu'ils étaient trop charnels. Il dit, mais que Dieu te bénisse, ma vie. Il dit, mais à qui d'autre qu'à toi? Même si tu frappes, nous savons qui tu es. Parce qu'ici, il dit, mais nous ici, vous en entendez? Nous avons cru et reconnu. C'est ça la foi, monsieur. Que tu es un simple prédicateur? Non! Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Si eux ne le savent pas, nous savons cela. Alors, nous restons accrochés à la parole, que ça soit dur, que ça blesse, que ça soit, nous savons que nous avons trouvé. Et vous avez remarqué la réponse que le Seigneur lui a donnée? Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Il savait très bien que Pierre ne pourrait jamais s'en aller. Non, frère. Non, il est sûr et certain que cet homme-là va être dû la parole, dû n'importe quelle circonstance, Pierre resterait là. C'est sûr et certain. C'est ça, la grâce de Dieu. Puis,
Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze. Donc son choix n'était pas pour rien. Quand il avait choisi, il y avait quelque chose de Dieu en lui. En lui, effectivement. Les autres l'ont pardonné. C'est pour ça la femme syrophénicienne. Donc quand il était dur en disant, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens, et c'est ça révolté comme tout un chacun de vous. Ah, tu vois maintenant, moi je ne viens pas à l'assemblée par ces jours-là, je parle avec les pasteurs, il m'a dit une parole dure. Moi je croyais qu'il était, un bon frère, un homme de Dieu, mais ces jours-là, ça m'a blessé. Hein, qu'ils me disent comme ça, mais c'était Dieu qui t'était testé aussi. C'est pour ça que j'ai dit, c'est parfois difficile. Quand on dit, ah oh, frère, on t'aime, je sais bien une certaine manière que je vous dis, mais vous m'aimez jusqu'à un point quand je vous souris. Mais c'est la vérité, ça vous le savez aussi. Parce qu'on sourit, on est gentil, effectivement, cela. Mais quand on prend position maintenant pour prendre la parole et vous mettre à la place que vous avez, effectivement, vous allez me trouver injuste. Votre sourire ne sera plus jamais un sourire sincère. Vous m'éviterez quand je sortirai de mon bureau. Rien pour aller à l'extérieur. Maintenant, vous pouvez m'embrasser, après vous ne m'embrasserez plus. Bon, c'est la vérité, vous le savez que c'est vrai. Vous pouvez dire que ce n'est pas vrai, frère, mais vous savez que c'est vrai, c'est humain, ça. Parce que pour aimer quelqu'un, même s'il est dur avec vous, il faut aimer Dieu. Avoir confiance. Parce que ce n'est pas facile, vous ne pouvez pas me dire, oh frère, nous t'aimons, je sais que c'est faux. Nous t'aimons, parce que quand ça va chauffer dans la parole, ah ben, vous allez téléphoner à gauche. Ah, mais on entend aujourd'hui, c'est pas comme ça. Quand déjà vous commencez à pouvoir appeler à gauche, c'est que l'amour a diminué, oui. Ah oui, ça c'est la vérité, oui. Alors nous revenons à la femme syrophénicienne, nous partons maintenant. Ah, nous avons dit 21h dehors, je termine ici. Et c'est la vérité, on a dit déjà. Parce que... c'est pas facile. Hein? Mais nous allons prier tout de suite là. C'est pour ça que quand il dit ça, il dit « Seigneur ». Vous avez entendu? Il appelle même « Seigneur ». Il dit « Les chiens, mangent les miettes. » Non, frères et sœurs, je crois que Dieu son intérêt a bougé. Il dit « Les chiens ». Il a même appelé « Seigneur ». Les chiens mangent les miettes qui tombent en dessous de la table. Que Dieu bénisse cette femme. Amen. Le Seigneur s'est arrêté et dit, mais femme, ta foi est grande. Donc il a testé cette femme pour savoir si vraiment elle avait confiance en lui. Il était tellement dur à son endroit, mais la femme est restée ferme dans la foi. Elle dit, mais vers qui d'autre je pourrais aller? J'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai tourné, je crisis. Je n'ai pas trouvé. C'est toi que j'ai trouvé. Il dit, ta foi est grande. Va, et sera fait selon ta foi. Et sa fille était guérie. Il est le même hier, aujourd'hui. Et lève-nous, nous allons prier. Notre... Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge. Le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Oui, loué soit ton âme, loué, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance. Tu payas notre rançon. C'est à toi qu'il est espérance, la paix et la guérison. Loué, loué soit ton âme. Loué, loué.
soit à jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Béni soit ton amour, loué, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Ta bannière, il le peuple racheté, qui demeure dans ta lumière, vers la céleste cité. Sois ton amour, loué, loué, sois à jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué, sois ton amour, loué, loué, sois à jamais ton nom, ta gloire. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué, loué soit ton âme, loué, loué soit à jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Sois ton amour, loué, loué, sois à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tout nouveau. La nuit insolente, tu viendras à nous ici. Loué, loué soit ton âme, loué, loué soit à jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton âme, loué, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits.